Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 13 mai, la Sainte Église célèbre l'apparition de Notre-Dame de Fatima au Portugal en 1917. Le pape Benoît XV organisait une croisade de prière à Marie, médiatrice de toute grâce, en vue de sauver le monde alors dévasté par la Première Guerre mondiale. Une semaine plus tard, son appel angoissé recevait une réponse de l'herbe même de la divine médiatrice. Un dimanche, 13 mai 1917, trois enfants gardent leurs brebis sur les collines de Fatima, au Portugal. Lucie, âgée de 10 ans, et ses cousins François et Jacinthe, âgés respectivement de 9 et 7 ans, sont les heureux choisis de la Vierge. En attendant sonner midi au loin, ils s'agenouillent et récite le chapelet. Leur prière est interrompue par la vue d'un éclair, puis d'un second plus brillant que le premier. Le ciel est cependant sans nuages. Oh merveille! À quelques pas, sur les branches d'un chêne vert, ils aperçoivent une belle dame plus étincelante que le soleil. Éblouis, autant que terrifiés, les trois enfants veulent s'enfuir, mais la mystérieuse apparition les rassure par un geste de maternelle bonté et leur dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » Après quelques minutes d'un silence extatique, Lucie ose demander « Qui êtes-vous ? » « Je suis du ciel, » répond la céleste vision. « Je suis descendu pour vous demander de venir ici 6 mois de suite, le 13 de chaque mois. » La Vierge leur recommande de réciter souvent le chapelet. Vous ajouterez cette prière après le Gloria Patri. « Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Puis, elle se tait et s'agenouille doucement, comme poussée par un zéphyr, et disparaît dans la lumière du soleil. À tous les 13 des 5 mois suivants, les enfants ont la joie, un signe de recevoir la belle dame. La nouvelle des apparitions se répand rapidement dans la région. Le 13 juillet, la foule des curieux atteint 5000 et en août, elle se chiffre à près de 20 000. Enfin, le 13 octobre, environ 70 000 personnes accourent malgré la pluie. Tout à coup, le ciel s'éclaircit, le soleil tremble, se secoue et se met à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse, lançant d'énormes faisceaux lumineux et multicolores. Les nuages, les arbres, les rochers prennent les teintes les plus variées. Pendant que la foule haletante contemple ce saisissant spectacle, les trois enfants voient la très sainte Vierge accompagnée cette fois de Jésus et de Saint Joseph. Ce prodige inouï dura une douzaine de minutes
et fut aperçu distinctement à plus de 4000 à la ronde. Ce miracle se réalisait exactement au jour, à l'heure et à l'endroit annoncé pour inciter les hommes à croire à la réalité des apparitions et à obéir au message que la Très Sainte Vierge apportait du ciel. À Fatima comme à Lourdes, Notre-Dame recommandait la pénitence et la récitation du rosaire. Si l'on répond à ma demande de faire pénitence et de prier, la Russie se convertira et vous aurez la paix, a promis la Vierge Marie. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, suscitant des guerres et des persécutions à l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Mais n'oublions pas que Notre-Dame de Fatima a ajouté : à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, intercède pour nous. À tous et à chacun, sainte journée. À demain pour le Saint du jour.